Au secours, mon fils veut faire mécano. La mécanique est un beau métier, mais dans 30 ou 50 ans, aura-t-il toujours du travail intéressant? Mais si j'y réfléchis, quelles sont les tâches inintéressantes qui me prennent beaucoup de temps? Limer toute la journée n'est pas toujours intéressant. On pourrait gagner du temps avec des machines. Et je ne parle même pas de la précision. On pourrait même automatiser certaines phases. Et si j'allais plus loin dans mes réflexions ou dans mes rêves? Mais finalement, si on automatisait tout, elle ressemblerait à quoi cette machine? Mais elle fonctionne comment cette machine? Plus besoin de mécano? Mais non, il faut bien programmer les machines. J'ai bien vu la machine du futur, mais il faudra développer des nouveaux métiers pour fabriquer ces machines. Il faut d'abord les concevoir. Maintenant qu'on a des plans, il faut bien les construire, ces machines. Ces machines seront-elles autant précises que nous? On a pensé ces machines, on a réalisé ces machines, on est certain de leur précision et maintenant, si on réalisait une chaîne de production? Ces machines travaillent à la chaîne de manière indépendante, mais il faut encore planifier toutes les ressources et développer des applications pour gérer l'ensemble. Waouh, c'est génial l'avenir. Chacun pourra exercer ses compétences dans son domaine de prédilection et ensemble on fera des choses géniales. Et dire que j'avais peur que mon fils choisisse un métier technique, je dois au contraire l'encourager et trouvera du travail dans tous les secteurs industriels.